tu vois. J'espère que vous allez bien. C'était ma façon à moi de rendre hommage à ce grand monsieur. J'avais promis dans mon existence, dans ma vie, de rencontrer, le croiser. J'étais persuadé. Parce que souvent, quand j'ai des choses qui me reviennent à l'esprit, ou quand j'ai des objectifs que je dois atteindre, je me donne tous les moyens pour les atteindre. Jerry Rawlings, comme on l'appelle JJ, nous a... son cas a rejoint ses ancêtres parce qu'il a fait le chemin, il a fait ce qu'il pouvait faire. Qu'est-ce que je peux retenir de lui? Beaucoup de choses, parce que ce monsieur était vrai. Nul n'est parfait, mais on dira que notre deuxième Thomas Sankara est parti. J'ai aspiré parce que c'était l'un des seuls poids lourds véritables qui nous restait. Beaucoup pensent que JJ, il appartient seulement au Ghana, mais loin de là, je peux vous dire que vous vous en rendrez compte très très rapidement, plus que vous ne le pensez. Son départ m'a surpris, et le motif aussi de son décès m'a rendu encore davantage perplexe. Retenez bien cette date, aujourd'hui. Nous sommes le 12 novembre 2020. Et je peux vous dire que cette date-là et cette vidéo-là, si elle existera plus tard, vous verrez pourquoi j'ai dit de retenir cette date. Et je profiterai pour m'adresser à mes frères du Ghana. Qu'ils fassent très attention. Qu'ils fassent très très attention. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui subit, mais je peux vous dire que le Ghana fasse très très attention. Parce que ce qui est mis en place et ce qui est en train d'être mis en place, les gens ne se rendent pas compte. Mais retenez bien cette date où j'ai fait cette vidéo et vous me direz pourquoi j'ai dit cela plus tard. Jerry Rawlings, je ne vais pas faire sa vie. Je ne suis pas bien placé pour parler de la vie des gens. J'aime pas trop ça. Mais c'est quelqu'un qui savait souffrir avec son peuple. Il savait souffrir avec son peuple. Il comprenait en fait la misère de son peuple. Il était en avance sur son époque. Et il était incompris aussi de ses pairs. Il était incompris de ses pairs. Je me rappelle comme ça quand j'étais enfant. En 94. En 94, je crois, janvier 94. Mon père, j'étais avec mon père comme ça. Ce jour-là, mon père était avec Hassan II. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous dire. Mon père était avec Hassan II. C'est mon père qui s'occupait d'Hassan II lors de l'enterrement de Félix Houphouët-Boigny. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Et mon père s'occupait d'Hassan II. Et j'étais à côté de mon père. Et... il y avait l'avion du Ghana. Et Rawlings était venu, il avait mis des aviators. Et puis mon père a dit, ce voyou-là. Et j'ai regardé mon père, j'ai dit, mais j'ai vu un monsieur, et je me suis dit, mais pourquoi, en quoi il est voyou? Mais c'est plus tard que j'ai compris pourquoi mon père, en fait, disait qu'il était voyou. Parce que c'était quelqu'un qui était audacieux. Il n'était pas dans les codes de ce que l'on disait. Mais c'est quelqu'un qui souffrait avec son peuple et il défiait ce que Paris nous montre. Il était en avance sur son époque. Et s'il fallait que son peuple en chie, il fallait faire chier son peuple. D'accord? Jerry Rawlings, c'est 1979. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui-là qui a permis que... Imaginez un militaire vient au pouvoir. Je vais vous montrer la différence. Un militaire vient au pouvoir. Il essaie de stabiliser parce que les politiciens ne s'entendent pas. Et puis, il part. Il met encore un politicien, la personne de Ilha Limam. D'accord? Qui est conservateur, Ilha Limam. Et encore, ces mêmes politiciens continuent en fait de rendre le pauvre, le pays en fait encore pauvre, de piller, de piller. Et là, il arrive encore avec, en 1981, avec un autre putsch. D'accord? Et là, il décide de mettre en place, à partir de 1982, ce qu'on appelle les PAS, les programmes d'ajustement structurel. Commence à mettre une politique qui est rude parce que le Ghana se trouve dans une certaine situation. Mais il réussit en fait
à mettre en place et à jouer même. C'est le seul en Afrique, c'est le seul en fait en Afrique qui a pu, comment dire ça, qui a pu, avec les institutions de Bretton Woods, user des institutions de Bretton Woods pour pouvoir en fait véritablement amorcer un développement dans la douleur pour son pays, parce qu'il fallait mobiliser certaines ressources en même temps sur place. Il avait une vision. Son projet de développement a commencé d'abord par en fait la ruralité avant d'arriver à Accra. Mais c'est l'un aussi des derniers pionniers qui prônait un panafricanisme, je dirais pas moderne, mais véritable. Comment affronter un panafricanisme décomplexé vis-à-vis en fait du capitalisme et de ce que les Blancs nous donnaient? Et Jerry Rawlings a su le faire. Faut savoir en fait que il est celui-là même qui a bâti un véritable passage de flambeau de génération en génération, c'est-à-dire entre les politiciens, d'accord, entre les politiciens, parce qu'avant c'était du grand n'importe quoi. Critiqué à l'époque par John Kufour, ceux qui connaissent John Kufour, pour moi, voilà, John Kufour sort de l'école, hein, classique politique, sortant de Londres, franc-maçon, tout ce qu'il y avait, qui critiquait beaucoup la politique de Rawlings, mais je ne pense pas que John Kufour ait beaucoup fait, parce que John Kufour disait à l'époque qu'un Ghanéen n'avait pas 500 dollars par mois, du moins par tête, pour pouvoir vivre en termes de salaire. Je ne pense pas que John Kufour ait fait mieux. Mais il y a un truc qui m'interpelle, parce que je ne vais pas faire la vie de tout. Rawlings a toujours été du côté de ceux qui combattaient pour une véritable souveraineté de leur peuple. Rawlings a été du côté de la Côte d'Ivoire. Rawlings, par le canal de M. Jonathan Mills, président ghanéen, qui a disparu, qui est mort soudainement. D'accord? Qui est mort soudainement. J'ai parlé à une sœur ghanéenne tout à l'heure. Je lui ai dit la mort de Rawlings me fait penser à celle d'Atta Mills. Parce que j'ai jamais gobé la mort d'Atta Mills. Je me suis dit qu'Atta Mills, il y a quelque chose qui s'est passé. Libre à la famille d'Atta Mills de faire, s'ils veulent, des autopsies. S'ils veulent, ils laissent. Mais la mort de Rawlings et d'Atta Mills, je sais pas, je reste sur ma faim. Je ne vais pas venir faire des sujets polémiques, mais je reste sur ma faim. Il y a un audio qui circulait. Voici mon point de vue. Il y a un audio qui circulait dans lequel tout le monde avait partagé. Et les gens disaient que Rawlings a démenti qu'il ne s'agissait pas de lui. Dans cet audio-là, il parlait d'Alassane Dramane Ouattara et il parlait d'Emmanuel Macron, qui faisait tout pour saboter le projet de la monnaie unique de l'écho qui était préparé depuis longtemps, très très longtemps, et que Alassane Dramane Ouattara est l'élément de la France pour saper ce projet-là. Je ne sais pas si vous en souvenez. Il y a de cela quelques mois, même pas 5 mois. Et à ce moment, les gens ont dit que non, Rawlings a démenti qu'il n'était pas à l'origine. Mais quand tu entendais, tu savais que c'était Rawlings. Le coup d'État qu'il y a eu au Mali, les jeunes militaires, d'accord? Les jeunes militaires, quand ils ont commencé à faire le tour de la sous-région, ils ne sont pas passés en Côte d'Ivoire. Ils sont allés directement au Ghana voir Rawlings. C'est pour vous dire que Rawlings, c'est un poids lourd. Au moment où Rawlings a pris l'affaire de l'écho en main, il allait voir M. Muhammadu Buhari. Quand il a vu M. Muhammadu Buhari, qu'est-ce qui s'est passé au Ghana et au Nigeria? La SRAS, cette police qu'on dit est brutalise. Oui, les gens peuvent manifester haute, mais il y a eu un engouement médiatique de telle sorte à gêner le pouvoir de Muhammadu Buhari. Tous les médias ont relayé, médias français et médias américains. Est-ce que vous avez essayé de faire une corrélation? On nous dit aujourd'hui que Rawlings est mort de Covid-19. Pendant qu'à Abidjan, il y a des gens qui attrapent leur première chancelière et disent « on s'en fout de Corona ». On s'en fout de Corona. Je reste perplexe et ça, c'est mon droit. Mais pire, je vais vous dire quelque chose. Nana Akufo-Addo, nous avons cité les mérites du Ghana ici. Moi, j'ai partagé certaines choses. Mais j'ai découvert beaucoup de choses par rapport au passé et par rapport à maintenant. Nana Akufo-Addo, écoutez-moi très bien. Et celui-là, quand il était dans l'opposition, il avait juré rapatrier les exilés, d'accord, de la crise de 2010. Parce que Nana Akufo-Addo avait en horreur Laurent Gbagbo. Il détestait Laurent Gbagbo. Il détestait Laurent Gbagbo. Ceux qui avaient protégé
d'accord, entre guillemets, ces exilés politiques-là étaient, d'accord, à Tamils. Parce qu'à Tamils, comprenait le fond de la crise ivoirienne. À Tamils, ayant disparu, ils ont mis John Dramani Mahama. John Dramani Mahama, il était entre le chaud et le froid. Mais l'élément même qui a protégé toute la classe des gens du FPI, là, qui est en exil, là, c'est la personne de M. Jerry Rawlings. Sans Jerry Rawlings, je peux vous dire que beaucoup de ministres du FPI allaient être rebalancés ou même éliminés très rapidement. C'est Jerry Rawlings qui a permis ça. C'est Jerry Rawlings. Donc quand je pleure aujourd'hui, d'accord? Quand je pleure aujourd'hui, je ne pleure pas visiblement, mais dans mon cœur, je pleure parce que je voulais rencontrer ce grand monsieur. Ce grand monsieur, je voulais le rencontrer personnellement, à titre personnel, je n'ai pas pu le faire. Et ça me fend le cœur. Mais je me dis, c'est pas grave. Je me dis, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Et je sais que je vais encore apprendre avec d'autres contemporains. Sans Jerry Rawlings, là, la plupart des dignitaires qui sont restés en exil, les Kone Katina et autres, aujourd'hui, ils seraient envoyés en Côte d'Ivoire, ils seraient allumés et autres. C'est Jerry Rawlings qui a protégé, qui a pleuré avec les Ivoiriens, qui parle de Laurent Gbagbo dans tous ses messages, qui parle de Thomas Sankara dans tous ses messages. Ce monsieur a allé voir Muhammadu Buhari. Aujourd'hui, on nous dit que Jerry Rawlings est parti. Je vais parler au peuple ghanéen. Retenez bien ce que je vais vous dire. Le monsieur qui est là, là, le monsieur qui est là, qui est assis, Nana Akufo-Addo, là, sa campagne politique, je peux vous dire qu'il y a l'argent de la Côte d'Ivoire dans sa campagne politique. Quand il a fait son discours de félicitations à son ami, d'accord, Dramane Ouattara, je suis allé écrire en bas. Je lui ai dit deux choses sur son Facebook. J'ai dit, je suis choqué que vous, étant enfant, vous avez rencontré Kwame Nkrumah. Et votre comportement, je suis choqué de votre comportement. Mais je peux comprendre, vous êtes redevable de quelqu'un qui vous a donné de l'argent. C'est pour ça que vous vous comportez ici. Mais vous êtes une honte pour la terre de mes origines, le Ghana. Ce monsieur est venu, quand il est venu, il savait qu'il y a. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au Ghana, Jerry Rawlings a stabilisé l'exécutif de telle sorte, d'accord, de telle sorte que, quelles que soient les tendances politiques que nous pouvons avoir, quel que soit le parti politique que nous devons avoir, il y a une stabilité de telle sorte qu'on ne peut pas s'effriter et mettre en danger la stabilité du pays. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de ce moment, alors, accordez-moi un petit instant, s'il vous plaît. Ne quittez pas. Ne quittez pas, j'arrive. Excusez-moi pour ce petit temps au bala. Donc, attendez, hein, excusez-moi, ma fille vient de rentrer de l'école, c'est pour cela. Donc, à partir de ce moment, moi, je vais m'adresser aux Ghanéens. Ce monsieur a fait croire, il faut savoir qu'au niveau de l'exécutif, il y a un ordre. Quel que soit le parti, celui qui a installé ça, s'il y a des Ghanéens qui sont là, nos frères Ghanéens qui sont là, ils vont vous le dire, si je raconte des conneries. Avant Jerry Rawlings, c'est-à-dire en 1981, d'accord? Avant Rawlings, quand les présidents venaient, j'ai parlé de Ilha Limani. Les conservateurs et entre guillemets les gens de gauche, en fait, il y avait une instabilité pas possible. Celui qui a pu mettre, d'accord, une stabilité au niveau de l'exécutif et Jerry Rawlings. Tout à l'heure, je vous parlais de celui qu'on appelle John Kufuor. John Kufuor est d'une autre, d'accord? John Kufuor est un conservateur. Il n'a strictement rien à voir, en fait, avec Rawlings. Mais ces personnes-là, aujourd'hui, à Ousou Castle, qui est l'équivalent, en fait, de la présidence, souvent peuvent se rencontrer avec le nouveau président et pouvoir échanger. Donc, il y a une stabilité au niveau de l'exécutif qui existe. Mais celui qui a mis cela en place, d'accord, c'est Jerry Rawlings. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose par rapport à Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo, ferme la porte, s'il te plaît. Nana Akufo-Addo, quand il est venu, Nana Akufo-Addo, quand il est venu, il a essayé de mettre une certaine vision de comme s'il est panafricain. Comme s'il est panafricain. Comme s'il est panafricain. D'accord? Tout le monde était là, tout le monde disait,
Tout le monde disait, ah ouais, ce qu'il disait par exemple par rapport à Macron, tout ce qu'il disait était intéressant. Dans le fond, en fait, c'était faux. D'accord? C'était faux parce qu'il était redevable vis-à-vis de ceux, d'accord, qui l'ont payé, qui l'ont financé. Il y a des symboles qui sont intéressants, qui donnaient des prémices par rapport à ce qui allait venir dans la sous-région. Parce qu'il faut savoir que le Nigeria est un État fédéral assez puissant, mais le Ghana, avec son Sidi, le Ghana avec son économie, représentait en fait un contrepoids par rapport à l'hégémonie d'un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est une vraie colonie française, qui a été reconquise davantage, elle était déjà une colonie, hein, sous Gbagbo, mais reconquise davantage avec Ouattara, qui est un gros symbole. Mais il y a des choses qui sont intéressantes. Une chose que certains présidents n'ont jamais fait, il s'agit de Nana Akufo-Addo. Son interview, il est interviewé par les médias français. Il parle en français. Il parle en français. Ça, c'est des symboles que les gens ne s'en rendent même pas compte. Il parle en français. Quand il parle en français, ça peut être amusant pour certaines personnes pour dire waouh, mais le gars a de la culture. Il parle certes l'anglais, mais il parle, d'accord, il parle le français. C'est une forme, une certaine manière déjà de dire que les gars, je suis avec vous, j'ouvre la porte. Les gars, je suis avec vous, j'ouvre la porte. Macky Sall l'invite avec Rihanna à Dakar, d'accord? Où il fait encore, il essaie de donner une leçon magistrale pour dire que oui, l'Afrique peut se suffire. Ça, c'est Nana Akufo-Addo. L'Afrique peut se suffire, elle n'a pas besoin de l'aide des autres. Tout le monde l'applaudit, d'accord? Parce qu'on dit, waouh, voici quelqu'un, président qui s'assume, qui par rapport au président francophone, mendie, lui, il s'assume. Mais je vais vous dire, Lana qui est derrière. Nana Akufo-Addo, normalement, mobilise. D'accord? Mobilise dans l'économie, il mobilise ci, il mobilise ça. Il essaie de montrer. Il essaie de montrer. Il essaie de montrer une certaine autonomie en s'occupant des agriculteurs, en payant à bon prix, par exemple, le cacao, en payant à bon prix, par exemple, la nacade. D'accord? À bon prix, la nacade. Tout le monde le félicite, donc, contrairement à la Côte d'Ivoire. Mais il y a un truc qui arrive. Cette fameuse enveloppe de 1 000 milliards qui a été distribuée, d'accord, distribuée, pardon, par Monsieur Tidjane Thiam. D'accord? Par Monsieur Tidjane Thiam. Donc, Monsieur Tidjane Thiam, sur à gérer le budget du Covid-19, ils étaient quatre. Il y avait Monsieur Kaberuka, d'accord, Donald Kaberuka, qui est le Burundais, puis qui peut-être sera même président. Il y a Trevor Emmanuel, il y a Okonjo-Iweala, d'accord, et plus Thiam. Donc, le Ghana a bénéficié d'une très grosse enveloppe, d'accord, pour gérer la crise de Covid. Est-ce que vous comprenez? Alassane Dramane Ouattara a reçu aussi une très bonne enveloppe de la part de Tidjane Thiam. Mais en ce moment-là, le projet de l'écho était regardé avec attention. Il fallait que Macron séduise tous les chefs d'État. Monsieur Nana Akufo-Addo savait qu'il avait Jerry Rawlings qui peut être une pierre, un caillou, d'accord, dans sa chaussure. Donc, il jouait entre le chaud et le froid. Par moments, il jouait le nationaliste. Mais il a fait comprendre aux gens, ils ont une feuille de route qu'ils sont en train d'appliquer. C'est pour ça que je suis en train de m'adresser à mes frères ghanéens. Faites très, très attention. Parce que vous avez perdu un très gros poids. Nous, on a perdu, mais on ne s'en rend pas compte. Mais vous avez perdu, vous, un très gros poids. Parce que votre hégémonie, même par rapport au Sidi, votre hégémonie par rapport au Sidi risque de disparaître. Faites très attention. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas en train d'inventer des choses. Dans la crise ivoirienne qui a eu. Un instant, s'il vous plaît. Un instant. Désolé, hein, parce que j'ai ma fille à côté. Voilà. Comme vous pouvez l'entendre. Donc, je disais dans la crise qui a survenu, cette crise-là qui a survenu en Côte d'Ivoire, qui sont les émissaires qui ont conduit, quels sont les émissaires qui ont conduit des réunions, d'accord, où ils ont essayé d'écouter la classe politique. Le président Henri Colombédier est parti où? Qui l'a rencontré? Il a rencontré Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo, est-ce que Nana Akufo-Addo a pris la peine de regarder la constitution ivoirienne? Non. Il n'a pas pris la peine. Sa ministre qui est venue, est-ce qu'elle a regardé vraiment le nœud du problème, le respect de la Constitution?
Est-ce que vous pensez que vous pensez qu'au Ghana, pendant la présence de Jerry Rawlings, parce qu'il faut savoir que Jerry Rawlings a un œil sur l'armée, il a un œil paternaliste sur l'armée, c'est un contre-pouvoir, il a un œil, d'accord, sur. Doucement, tais-toi, s'il te plaît. D'accord, sur cette démocratie-là. D'accord? Vous pensez que la constitution ghanéenne peut être violée par un individu? Vous pensez que la constitution ghanéenne peut être violée par quelqu'un? C'est pas possible. Aujourd'hui, on nous dit Jerry Rawlings est mort. D'accord? Jerry Rawlings est mort à cause du Covid-19. Moi, je veux m'adresser à mes frères ghanéens. Faites attention. Je vais vous donner un autre symbole que vous avez oublié. S'il y a des Ghanéens ici qui me disent je mens ou que je dis c'est faux. Quand Nana Akufo-Addo est venu, il y a un autre symbole que vous avez oublié. L'armée américaine devait ouvrir une base au Ghana. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça fait 4 ans ou 5 ans. L'armée américaine devait ouvrir une base au Ghana. Quand Nana Akufo-Addo est arrivé, ça n'a même pas fait 5 mois. L'armée américaine devait ouvrir une base au Ghana. Nana Akufo-Addo a accepté. D'accord? Nana Akufo-Addo a accepté. Il a fallu que les Rawlings, la population, tous les gens puissent dire non. Sinon, actuellement, là, il y avait une très grande base. Il y avait une très grande base qui était là-bas. Heureusement que les gens s'en souviennent. Donc nous venons de perdre quelqu'un à un moment fatidique. Donc là, c'est important d'apprendre. C'est important d'apprendre. Il y avait même un moment au Ghana où là, ça a été très rapidement, pour ceux qui s'en souviennent, il parlait du projet de l'homosexualité. Au moment, ça avait fuité pour aller au Sénégal. Mais la chefferie, ça, mais c'est même pas les élus, c'est la chefferie traditionnelle qui s'est levée pour dire, il n'y aura même, il sera même pas question même de parler d'homosexualité au Ghana. Donc moi, je peux vous dire que je reste dubitatif. Maintenant, l'affaire où les artistes au Nigeria ont manifesté là, quand tous les médias ont relayé là, je peux vous dire que c'est lié à l'écho. C'est lié à l'écho. D'accord? C'est lié à l'écho. Donc, chers amis, non, il n'a pas refusé la base militaire, Christian Gbalou. C'est sous pression qu'il a refusé. C'est sous pression qu'il a refusé. Est-ce que vous comprenez? Et regardez les dernières photos de Jerry Rawlings. Où il a reçu ces jeunes Maliens. C'est lui qui a reçu ces jeunes Maliens. Regardez. C'est des symboles. Pourquoi ils ne sont pas allés en Côte d'Ivoire? Pourquoi ils ne sont pas allés voir directement, d'accord? D'accord? Pourquoi ils ne sont pas allés directement voir Nana Akufo-Addo? D'accord? Donc je suis en train de vous dire que Nana Akufo-Addo est celui qui, au Ghana, ouvre la porte. Il veut ouvrir la porte aux Français par rapport au projet que la France a avec l'écho. Nana Akufo-Addo, moi, je vous dis, aucun président ghanéen, je vous dis bien, même si Kwame Nkrumah comprenait le français, Kwame Nkrumah ne pouvait pas s'asseoir pour une interview, pour impressionner les gens, parler en français. Si tu es authentique, tu as parlé à Chanty. Sinon, tu parles anglais. Mais le fait qu'il ait fait ça, c'est une manière de dire, oui, je suis avec la France, je démonte et j'ouvre. Mais il essayait de faire, il essayait d'équilibrer. Il essayait d'équilibrer pour jouer le panafricain. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas seulement parmi les chefs d'État qui sont restés, les chefs d'État qui sont restés là. Il y a John Mahamani, tu vois. Il y a John Mahamani, il y a John Dramani, d'accord? John Dramani Mahama. Un instant, s'il vous plaît. Donc, voilà, excusez-moi pour les aléas, c'est comme ça, en priorité aux enfants. Donc, je disais que. Il faut arrêter aussi, s'il te plaît. Donc, il y a John Kufour qui roule aussi pour certaines personnes. D'accord? Mais c'est Rawlings qui faisait le contrepoids. Donc, j'espère que, aujourd'hui, Nana Guyane, qui est sa femme, j'espère qu'elle pourra
tenir, d'accord, dans son parti. Mais là, la seule chose qu'il faudra faire, c'est de former. Et je pense que le Ghana a les moyens, mais c'est de former vraiment des gens pour reprendre ce que Rawlings a fait. Parce que normalement, tous nos drapeaux doivent être en berne. Tous nos drapeaux doivent être en berne. C'est un grand monsieur. Jerry Rawlings, je peux vous dire, c'est un grand monsieur. Quand tu es au Ghana, tu es chef d'État et tu tiens par rapport au Oufouette Boigny, tu tiens où il y a Thomas Sankara qui était son frère, mais il y a Oufouette Boigny qui était en hégémonie et tu réussis à tirer ton économie du haut, c'est que tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit bien, quand tu es chef d'État du Ghana, tu tiens en face des poids lourds comme Oufouette Boigny et tu tires ton pays de la misère dans laquelle les intellectuels d'une certaine époque avaient foutu la misère dans ce pays, tu n'es pas n'importe qui. On ne peut jamais être aimé par tout le monde, mais il faut que le Ghana vraiment apprenne au niveau de Jerry Rawlings. Parce que c'est quelqu'un qui avait le tri, mais qui a su imposer une démocratie à la ghanéenne. Il n'a pas fait la démocratie comme les Anglais. Il a fait une démocratie à la ghanéenne. Parce qu'il connaissait le ghanéen. Il connaissait les souffrances du paysan ghanéen. Il connaissait les souffrances des mamans ghanéennes. Il connaissait les souffrances du peuple. Donc, nous devons beaucoup nous inspirer. Nos écoles de sciences politiques que nous devons faire, ces écoles de sciences politiques doivent s'inspirer sur des gens comme, tout qu'on appelle, comme on dit, Jerry Rawlings, des gens comme Thomas Sankara, des gens comme Kwame Nkrumah, des gens. Voilà, ces personnes-là, j'ai pas envie de citer d'autres personnes, mais il y en a plein. Et il en fait partie. Et c'est celui. Oui, il faisait partie du barreau français, Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo, oui, effectivement, oui. Nana Akufo-Addo à Guéman. Voilà, merci. C'est Nana Akufo-Addo, pardon, excuse-moi. Il dit à Guéman. Oui, mais Nana Guéman, oui. Mais je suis en train de dire que. Oui, il faisait partie. C'est la même arnaque qui nous prépare au Cameroun, là, avec Maurice Kamto. Je ne suis pas pour Paul Biya, mais ils ne sont pas bêtes, ces gens-là. Vous savez, quand on parle souvent des géopolitiques et on parle de. Les gens ne s'en rendent pas compte. Ils pensent que c'est loin. Ça, c'est le problème chez les Ivoiriens. Vous pensez que le problème, il est loin. Mais le problème, là, s'il commence quelque part, il va arriver chez nous. Et Nana Akufo-Addo, c'est un poison. Regardez comment la crise ivoirienne, avant les élections, l'opposition est partie le voir pour lui parler de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez comment il a géré la crise ivoirienne. Il est aussi auteur des morts qu'il y a en Côte d'Ivoire. Parce qu'au Ghana, on ne peut pas. La Constitution, par rapport à ce que Jerry Rawlings a fait, la Constitution. Mais attends, la Constitution, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Mais comment en Côte d'Ivoire, un pays comme la Côte d'Ivoire, on bafoue la Constitution? C'est pour vous dire que Nana Akufo-Addo, ce qu'il aime, il aime porter de beaux costumes, il aime ruisseler, mais il ne connaît pas la souffrance du Ghanéen. Nana Akufo-Addo est d'une bonne famille. Excusez-moi pour ceux qui. Il y a des gens qui sont de bonne famille, mais qui comprennent la souffrance du peuple. Mais par rapport à Rawlings, là, Rawlings a plus lavé dans les assiettes que Nana Akufo-Addo. Rawlings a transpiré par rapport à Nana Akufo-Addo. C'est ça la différence. C'est pour ça que je suis allé sur la page de Nana Akufo-Addo. J'ai dit, j'ai vu ta photo avec Kwame Nkrumah. Mais le symbole que tu avais avec Kwame Nkrumah, où il te remettait le livre sur le panafricanisme, où tu demandais à ce qu'il te dédie ce livre. Est-ce que tu as conscience, Nana Akufo-Addo, de ça? Est-ce que tu as conscience de ça? Je suis allé, hein, pour lui répondre. J'ai mis ça pour lui. Et puis je lui ai dit, je comprends. Parce que Ouattara, par le biais de la France, parce qu'il ne faut pas oublier, Ouattara n'est pas riche. C'est la France qui lui donne l'argent. Lui, c'est un planton, c'est un commis. Voilà. Par le biais de la France, ils ont financé ta campagne. Parce que le projet d'Alassane Dramane Ouattara, Nana Akufo-Addo, puisque Nana Akufo-Addo a fait du lobbying pour financer sa campagne, il a promis rapatrier le Kone Katina, toutes ces personnes qui étaient au Ghana cachées là. D'accord? Il a promis les rapatrier. Donc Alassane Dramane Ouattara voulait forcément saisir ces personnes. Mais la personne qui agissait et qui protégeait ces personnes était Jerry Rawlings. C'est de ça qu'il s'agit. Tous les exilés que vous avez vus protéger là, qui sont restés au Ghana, c'est Jerry Rawlings qui a permis. Et Jonathan Mills, parce qu'il comprenait, Jonathan Mills comprenait le fond du problème en Côte d'Ivoire. Il jouait l'équilibriste, Jonathan Mills, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait beaucoup de morts. Mais comme Thabo Mbeki, Jonathan Mills avait compris quel était le fond du problème. Et le fond du problème était la France par son envoyé, qui est Alassane Dramane Ouattara. C'est ça la réalité.
Et Jerry Rawlings avait préparé ce projet de l'écho-là depuis longtemps. Depuis très longtemps. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour cela, lui et John, comment ça s'appelle, Boiry, se sont entendus parce qu'ils savaient que la France voulait mettre la même mise sur l'écho. Vous n'avez pas vu que quand Macron est arrivé, quand les vieux comme les Ouattara étaient fêtés son anniversaire, les Dinkins là, pourquoi Alassane Dramane Ouattara a pris son avion pour courir, pour aller voir, comment ça s'appelle, pour aller voir Boiry. Et il est revenu bredouille à Abidjan. Et quand il est venu annoncer l'écho. Mais l'écho là, celui qui dit que je raconte n'importe quoi là, monsieur, dites-moi, Alassane Ouattara et Macron ont dit que l'écho allait arriver depuis le mois de juillet. Est-ce que l'écho a vu le jour? C'était pour faire un effet de com, un effet de communication. Il y a des choses que j'aime pas parler ici, parce que, vous savez, Facebook, j'aime pas, il y a des choses que j'aime pas parler ici. D'accord? Mais, attends, je vais répondre aux gens. Monsieur Karamoko, quand vous dites que Jerry Rawlings a tué, d'accord, son pouvoir a tué, et a fait 10 000 Ghanéens au Togo, et 7 000 Ghanéens au Ghana, je vais vous répondre. je vais vous répondre. Monsieur, je vous mets au défi, hein. Montrez-moi un pouvoir. Montrez-moi un pouvoir où il n'y a pas, je vous dis, hein, montrez-moi une démocratie ou un système politique qui s'assit où il n'y a pas de dégâts collatéraux. Peut-être dans le Coran, je vous donne l'exemple, peut-être dans le Coran, on vous dit que Allah est venu et plus personne n'a été tué. Mais si vous lisez dans le Coran, vous allez voir que dans le Coran, le prophète et ses compagnons ont tué des gens. Pour le nom d'Allah. Je vous mets aussi au défi dans la Bible. D'accord? Pour ne pas vous frustrer. Dans la Bible. Quand vous prenez le livre d'Exode. Vous prenez le livre de Nombre. Vous prenez des livres de la Bible. On vous dit aussi que d'autres tuent. Pour le nom du Dieu d'Israël. C'est pas moi qui le dis. Soyez factuel. Quel pouvoir, vous avez vu quel pouvoir qui s'est assis. La plus grande démocratie que vous vous admirez. Vous les militants de M. Ouattara. D'accord? Vous, les militants de M. Ouattara, que vous admirez là, les États-Unis, combien de morts font-ils par jour? Je vous pose la question. Combien de morts font-ils par jour? La meilleure démocratie. Combien de morts la France fait pour le compte de la France par jour? Vous le savez? Soyons factuels. D'accord? Voici votre réponse. Vous voulez que j'aille dans la cuisine avec mes enfants? Baisse le son. D'accord? Voici votre réponse. Vous avez sorti des éléments de réponse. Je vous ai répondu. Hein? Vous avez répondu. Vous, maintenant, vous êtes gêné, vous êtes mal à l'aise. Mais les Ghanéens rentrent chez eux comme ils sortent. Il y a des Ghanéens qui sont ici, qui suivent. Ils rentrent chez eux comme ils sortent. Le Ghana d'où il est sorti, là, vous pouvez comparer le Ghana à la Côte d'Ivoire. Vous avez le plus grand économiste en Côte d'Ivoire. Mais il est plus nul 10 000 fois que Jerry Rawlings. Et c'est vous là, c'est vous qui tirez le continent vers le bas. Parce que je pense que tonton, vous pouvez être mon père. Mais vous, vous enseignez, je ne sais même pas comment vous réfléchissez. C'est vous là, à cause de vous, que le continent aujourd'hui est en retard. C'est de la sorcellerie que vous faites. On vient rendre hommage à un grand monsieur. Vous venez, vous dites qu'il y a 1000 personnes qui ont été en exil. Sous Ouattara là, il y a combien d'exilés? Sous Ouattara là, il y a combien de morts? Vous dites qu'il a fait 700 morts. Sous Ouattara, il y a combien de morts? Jusqu'à aujourd'hui, depuis que Ouattara est là, il y a des morts jusqu'à aujourd'hui. Avant-hier, on disait qu'il y avait des morts encore en bateau. Tu vas venir nous apprendre quoi ici? Hein? Je ne comprends pas. Et c'est comme ça, nous, les Noirs, nous sommes. C'est comme ça, nous, les Noirs, nous sommes. Non, mais c'est vrai. C'est comme ça, nous, les Noirs, nous sommes. On parle d'un grand monsieur comme Rawlings. Tu vas venir dire qu'il y a eu 1000 déplacés au Togo, où il y a eu 700 morts. Mais sous Ouattara, il y a eu combien de morts? Parce que Gbagbo et Blé Goudé sont encore chez les Blancs là-bas. Hein? On dit que ce n'est pas eux qui ont tué. Qui a tué? Oh. Je ne sais pas comment ils sont tués. Et ça, c'est comme ça, c'est malheureux. C'est malheureux. Et ces personnes-là, ils vont finir. Le plus souvent, ils sont jetés comme des vieilles chaussettes, des vieilles serviettes par leur Dieu blanc. Voilà. Par leur Dieu blanc. C'est comme ça. Mais pour revenir sur ce qu'on disait. D'accord? Pour revenir sur ce qu'on disait. Mais monsieur, la monnaie. Bon, là, on va finir. Je vais répondre à quelques questions. Mais la monnaie flottante, là. On va parler un petit peu d'économie. Ce que Alassane Ouattara ne fait pas avec vous.
ou M. Sidiki Tshobuko ne fait pas avec vous. La monnaie flottante, là, d'accord? La monnaie flottante. Est-ce que c'est un inconvénient qu'une monnaie soit flottante? Est-ce que c'est un inconvénient qu'une monnaie soit flottante? Je vais donner un petit coup quand même à ces enfants-là. Excusez-moi, je ne veux pas finir prétentieux. On a rendu hommage à Kwame Nkrumah. Et il dit à Kwame Nkrumah, tellement il m'a truc. À Kwame Nkrumah également. Et puis, on a rendu hommage à Jerry Rawlings. Mais ce qu'il faut, d'accord? D'accord? J'ai été récemment au Ghana, d'accord? La Côte d'Ivoire est actuellement en avance, d'accord? Mais pff, ils n'ont rien compris, ces gens-là. Bref, bon, on a parlé de Jerry Rawlings et il faut qu'on perpétue ce que Jerry Rawlings a fait. Mon combat, j'ai un ami qui a une grande école politique africaine, c'est de perpétuer ses œuvres-là et sa vision, d'accord? Voilà, nous on est dans le concret, j'ai un frère qui a fait. Maintenant, je vais parler juste de monnaie flottante, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, beaucoup, j'essaie de parler même en mouchi si je peux, beaucoup crient, mais ils n'enseignent pas. D'accord? Alors, écoutez. Effectivement, si, il y a élection au Ghana. Donc, tu as compris ce que... Toi, tu comprends très bien ce que j'ai dit. Il y a élection au Ghana. Ok. Baisse un peu le son. Baisse un peu le son. Michael Jackson, là, s'il te plaît. Hein? Voilà. Merci, Michael Jackson. C'est mon fils qui danse sur batte de Michael Jackson. Ah, les enfants. Alors, je vais vous expliquer, je vais prendre une définition qui est simple. Alors, vous savez, votre monnaie qui est le franc CFA, je vais parler terre à terre, franc CFA que vous avez à Abidjan, la monnaie que vous avez à Abidjan, c'est une monnaie qui est garantie par Paris. C'est-à-dire que quand tu sors ton argent de Côte d'Ivoire ou du Mali, les pays qui utilisent franc CFA, là, quand tu veux aller faire quelque chose à l'international, ça doit passer par Paris. C'est-à-dire que la France, sur la monnaie qu'on a là, c'est la France qui est propriétaire de notre monnaie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir l'argent à l'international sans que la France, d'accord, sans que la France ne soit au courant. D'accord? Mais je suis en train d'expliquer, monsieur, la monnaie déjà fixe, d'accord, ce qu'on appelle la monnaie fixe et la monnaie flottante. Ce qu'on appelle la parité fixe et la monnaie flottante. Donc, écoutez bien ce que j'ai dit. Ne vous excitez pas inutilement. Maintenant, il est pressé, doucement. Ça veut dire que si tu as ta société de bois, tu vends du bois à l'international, d'accord? Ton bois là, d'accord, pour faire l'échange, par exemple avec le Nicaragua, il faut que ça passe par la devise qui est l'euro. D'accord? On ne peut pas en fait faire un échange entre la monnaie de Côte d'Ivoire et la monnaie du Nicaragua directement. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, d'accord? C'est ça qu'on appelle la monnaie fixe. C'est ça, la monnaie fixe. Maintenant, écoutez la définition que j'ai et que j'ai notée d'une monnaie flottante. Il y a un gars qui me dit tu mens là, lui, il est excité pour rien. Allez, va faire ça ailleurs. Donc, j'ai même la monnaie fixe. Dans un régime de change fixe, le cours d'une devise est fixé par rapport à un étalon. Écoutez bien. Souvent, une monnaie ou un papier ou un panier de monnaie qui est émis par la banque centrale qui émet cette devise, c'est-à-dire la BCAO. Le cours ainsi fixé est appelé le cours pivot. Je ne vais pas rentrer dans les trucs, et constitue le taux d'échange de référence. Notre taux d'échange de référence est mis en place par rapport à l'euro. D'accord? On n'a pas un taux d'échange de référence propre à nous. C'est par rapport à l'euro. Maintenant, le régime d'échange flottant, et puis je vais fermer la bouche vite fait. Dans un régime d'échange flexible ou flottant, la personne qui a posé la question sur flottant, là, on peut dire régime flexible ou flottant, aucun engagement n'est pris au sujet du taux d'échange. Il évolue librement en fonction de l'offre et la demande sur le marché d'échange. C'est ce que Alassane Draman Ouattara et Emmanuel Macron
ont apporté, ils voulaient dire que c'était, ils voulaient apporter comme innovation, mais c'était même pas une innovation par rapport à l'écho. Monsieur, vous qui avez mis j'ai mal là, est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire ton propriétaire, tout ce que tu vas faire à l'international, tout ce que tu vas vouloir faire, ça va passer par un taux fixe qui est le taux par rapport à l'euro. C'est pour ça que Alassane Dramane Ouattara disait que oui, c'est une monnaie qui est sûre, c'est une garantie qui est sûre, parce que le taux, il était fixe, mais il est fixe par rapport aux autres. Mais dans quelle économie on ne prend pas des risques? Dans quelle économie on ne prend pas des risques? Dans quelle économie on ne prend pas des risques? Je préfère prendre des risques sur mon économie, d'accord? Mais au moins, je préfère vendre mes matières premières librement, avec tout, avec n'importe qui dans le monde. C'est comme ça. Dans quel monde on ne prend pas des risques? Paris, là, Paris, ils prennent des risques avec l'euro. Leur taux de parité n'est pas fixe. Ils vendent avec qui ils veulent, avec n'importe quel type de devise. Est-ce qu'on a besoin d'être militant du RDR pour comprendre ça? Vous dites que vous avez le meilleur économiste au monde, mais vous-même, là, le truc les plus basiques, vous ne comprenez pas ça. Je suis obligé de venir expliquer ça. Normalement, c'est vous qui devez parler d'économie. Bois est un architecte en économie. Ça, là, même mon fils, même là, dans 3 ans, 4 ans, il va comprendre ça. Voilà. Donc, quand vous parlez de la monnaie flottante par rapport au Ghana, qui peut être... Non, mais je ne comprends pas. Je ne vous comprends pas. Le Naira, c'est même chose. Le Naira, c'est même chose. Mais en tant qu'entrepreneur, tant que vous n'avez pas osé... En tant qu'entrepreneur, ça me fait plaisir de parler de ça aujourd'hui. En tant qu'entrepreneur, tant que vous n'avez pas osé, d'accord, vous ne pouvez pas dire qu'en tant qu'entrepreneur, le risque... Non, je suis désolé. On ne peut pas dire que le risque, il est élevé. Vous êtes... En fait, le problème, c'est quoi? En tant qu'entrepreneur, pour pouvoir, en fait, faire fructifier, vous êtes obligé de prendre des risques. C'est le béaba. Vous êtes obligé de prendre des risques. Mais si vous êtes dans un taux fixe, mais vous, dans vos prévisions sont déjà, comme d'autres disent dans le jargon ivoirien, sont déjà téléphonées à l'avance. Vous êtes sur un taux fixe. Vous allez compter sur quoi pour pouvoir vraiment pérenniser ou prendre des risques pour étendre votre entreprise en tant qu'entrepreneur. Je ne sais pas comment vous comprenez. Parce que je sais que mon taux, il est fixe sur 30 ans. Je n'ai véritablement pas des risques à prendre. Les seuls risques que j'ai, ou du moins les seuls avantages que je peux, c'est davantage investir. Et vous savez que c'était un inconvénient en Côte d'Ivoire. Parce qu'en termes de bancarisation en Côte d'Ivoire, on ne donne pas véritablement aux entreprises. Les banques n'aident pas vraiment les PME et les TPE. D'accord? Ils ne les aident pas véritablement. Donc je ne sais pas sur quoi vous comptez. Et les banques là même sont même pas des banques même qui sont injectées pour aider les entreprises. D'accord? Ce sont des banques, même le plus souvent, ce sont des banques de filiales françaises. Les Français ne prendront pas des risques de vous donner de leur argent sans savoir où votre truc va aboutir. Ou c'est de l'argent qui tourne inutilement. Donc, je ne suis pas là pour dépeindre ou pour dire ça. Mais le risque est élevé. Aujourd'hui, UBA, qui est une banque nigériane, aujourd'hui embauche du personnel ivoirien en Côte d'Ivoire. Ils ont un régime de change flottant, mais qui fonctionne. Le risque crée la richesse. Tout à fait, monsieur Anibi. C'est logique. Si vous restez, vous êtes dans votre zone de confort, mais vous n'avez aucune perspective, mais vous allez toujours rester à la même place. Ça, c'est logique. C'est logique, cher monsieur. Si vous êtes entrepreneur, allez-y vous renseigner. Dans toute économie qui se respecte, il y a ce qu'on appelle le risque. Dans toute économie, il y a toujours... Si vous êtes dans une entreprise, même les entreprises françaises, vous allez voir qu'il y a un département risque dans les assurances et dans le domaine bancaire. Il y a un domaine risque. Ou en anglais, on dit resources and risk. Qui tente rien à rien. Cher monsieur, le risque est permanent dans l'entrepreneuriat. Merci, monsieur Mabricone. Donc, vous ne dites rien. Et c'est pour cela... Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, un pays comme la Côte d'Ivoire, vous allez voir, par exemple, une compagnie qui n'est même pas vraiment étendue, qui a peut-être des sous-sections, c'est une NSIA de M. Diagou. Mais il y a combien? Mais parce que le taux, il est fixe, on ne prend pas de risques. On est dans le patronat, on fait du lobbying.
On est obligé de lécher des pieds. Et puis, pouf! Voilà. Donc, c'est pas en fait, on ne fait pas de la propagande politique incendiaire pour incendier. On fait de la politique pour réfléchir et pour toucher vraiment, pour toucher tous les domaines. Moi, je viens pas faire de la politique politicienne. Si je viens parler de Rawlings, j'ai étudié le monsieur et je peux vous dire les inconvénients. Le monsieur qui venait parler de mort, là, ou quoi que ce soit, je vous mets au défi, montrez-moi tous les pouvoirs au monde où on ne parle pas de mort. Je ne suis pas content de le dire, mais c'est ainsi. Cher monsieur, c'est ainsi, c'est une réalité. Mais tuer arbitrairement, continuellement, c'est autre chose. C'est autre chose, cher monsieur. Donc, venir salir ce que le monsieur a fait, allez-y demander aux gens qui étaient sous Kwame Nkrumah, si tout le monde était pour Kwame Nkrumah. On cite certes Kwame Nkrumah comme un panafricaniste, mais il y a des gens qui détestent Kwame Nkrumah. Mais c'est cela la réalité de l'histoire. On ne peut pas faire l'unanimité. Vous pensez que vous qui dites que vous êtes oufouettiste, là, que Oufouette Boigny est un saint, il y a des gens qui vont vous dire que Oufouette Boigny, mais c'est la personne la plus minable et pire du continent noir. Mais ils vont vous donner les raisons. Hein. Ils vont pas dire pour le dire. Hein. Ils vont vous donner les raisons point par point que Oufouette Boigny. Mais vous allez dire qu'Oufouette Boigny, mais c'est Oufouette Boigny, c'est le grand Oufouette Boigny. Donc, soyez, vous voyez, il faut toujours regarder des deux côtés de la balance. On ne peut pas avoir une vérité absolue. Il ne peut pas avoir une vérité absolue. Mais quand vous parlez de taux fixe et de change flottant, le régime de change flottant, allez-y relire. Vous êtes un papa, vous êtes un doyen, moi je suis votre fils, allez-y relire. Et vous allez voir. Tu es entrepreneur, tu as peur du risque, mais tu n'es pas entrepreneur, n'entreprends pas. Moi je te le dis clairement, travaille dans la fonction publique, tu sais que tu dors, mais tu touches ton salaire le 31. Mais tu veux entreprendre et tu n'envisages pas le risque, mais mon ami, tu es dans la merde. Pourquoi on parle de prévisionnel? Pourquoi on parle de dépenses prévisionnelles? Pourquoi on parle d'objectifs prévisionnels? Pourquoi on parle de courbes prévisionnelles? Mais on parle de courbes prévisionnelles, dans prévisionnel, il y a la prévision, il y a les risques aussi qu'on regarde. Donc voilà, je ne vais pas vous dire que le Nigeria a une économie forte que la Côte d'Ivoire. En ce sens, le risque est calculable. Bon. Ok. Voici, bon, tonton, je vais terminer par là. Vous voulez comparer l'économie de la Côte d'Ivoire à l'économie du Nigeria? Bon. Vous voulez comparer l'économie... Non, mais non. Il faut arrêter de regarder la RTI 1. Arrêtez de regarder la RTI 1 et le conseil du gouvernement, le conseil des ministres en Côte d'Ivoire. D'accord? Arrêtez, s'il vous plaît, tonton. Aïté Sabari. Pardon. Yaki. Yayase. Arrêtez de regarder. Vous voulez comparer l'économie de la Côte d'Ivoire là, avec l'économie du Nigeria. Est-ce que ça vaut la peine que je vous réponde? Sinon, je vais vous donner juste une seule réponse. D'accord? La première puissance. D'accord? La première puissance du continent noir là, c'est le Nigeria. Si cette réponse-là ne vous suffit pas, allez-y, faites vos recherches vous-même. Je répète, hein, je donne juste un élément. Parce qu'il ne faut pas regarder la couleur de peau seulement. D'accord? Pour dire, pour minimiser les gens, sous-estimer les gens. J'ai dit, la première puissance noire devant l'Afrique du Sud. Je répète, devant l'Afrique du Sud, c'est le Nigeria. Si je t'ai dit ça là, et puis tu veux comparer ton économie d'Achi Patrick là, d'accord? À ton économie du Nigeria, faut continuer dans ton truc. Mais je te le dis pour ton bien, il ne faut pas aller t'asseoir devant les gens et puis ils vont te ridiculiser. Ce que Big Togo dit là, faut pas écouter. Faut prendre, quand Big Togo parle là, prends des livres et puis faut regarder. D'accord? Donc, je ne veux même pas. Je ne veux pas discuter avec toi. En fait, il y a des choses. C'est comme tu te dis le matin. En fait, il y a des trucs quoi. Je respire, je suis vivant. Voilà. Je respire, je suis vivant. C'est normal, tu es vivant, tu respires. Non, je sais pas, j'ai pas quelque chose à dire dessus. Voilà, je peux pas. C'est pour ça que je dis souvent aux Ivoiriens, ne venez pas seulement en France. Ne venez pas en France et aux États-Unis et puis vous dites que vous avez visité le monde. Allez au Nigeria. Allez-y dans l'État du Nord, à Kano, vers Kano là-bas. Là. Allez-y dans le Nord seulement. Hein. Ne descendez pas, n'allez pas vers les ports Ako, Port Ako, Abuja, tout ça. Allez-y dans le Nord. Quand vous allez dans le Nord là, vous allez venir vous asseoir en Côte d'Ivoire. Et puis maintenant, quand les Big Togo vont vous parler là, vous allez dire arrêtez de mentir.
Voilà. Mais si vous ne sortez pas, vous allez seulement en France et puis vous revenez au pays, non. Si vous allez au Maroc, non. Allez-y, sur place. C'est pour votre bien que j'ai dit ça. Sinon, moi, il y a des choses là, je ne peux pas dire. Mais si j'ai dit là, mes ancêtres vont sortir, quelqu'un va me gifler. Voilà, quelqu'un va me gifler. Voilà. C'est ça. C'est tout ça là qu'on dit à l'école, il faut qu'on mette à l'école. C'est dangereux. Parce que ce que le tonton dit là, il y a des enfants aussi qui pensent comme ça. Et ce n'est pas bon. Il faut qu'on les livre là, il faut qu'on les change. Il faut qu'on mette des données qui collent avec l'actualité. Voilà, qui collent avec l'actualité. On n'est plus au temps du Biafra. On n'est plus au temps du Biafra. Là, voilà. On ne peut pas. Voilà, donc, s'il te plaît. Donc, voilà, il faut vraiment que on, il faut vraiment, d'accord, il faut vraiment qu'on continue comme ça. Mais tonton, bon, voilà. Bon, un jour je vais faire une vidéo, d'accord? Un jour, je vais faire une vidéo où on va parler tranquillement d'économie. Aujourd'hui, je suis dans l'optique d'un hommage. On va pas perdurer là-dedans pour polémiquer. D'accord? On va pas polémiquer inutilement. Mais je vais quand même répondre une dernière fois au frère. D'accord? C'est pas pour le dénigrer. Peut-être qu'il ne sait pas aussi. D'accord? Mais le plus fort PIB là, d'accord? Le plus fort PIB, d'accord? Le PIB, je vais te dire hein, ce que c'est que le PIB. Peut-être ça va te situer, d'accord? Qu'est-ce que le PIB? Le PIB, d'accord? C'est ce qu'on appelle le produit intérieur brut. C'est un indicateur économique qui permet de quantifier. Ça, je te donne une définition générique hein, que tu peux trouver sur Wikipédia. Et je vais te donner ça en fait en ouchi si tu veux. C'est l'indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la production de la richesse annuelle. D'accord? PNB, effectué par les agents économiques résidant à l'intérieur d'un territoire. D'accord? Je répète. Le PIB là. C'est ton produit intérieur brut. Mais c'est un indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la production de la richesse annuelle effectuée par des agents économiques résidant à l'intérieur du pays. Bon, le Nigeria, là, ils sont à peu près, je crois, 200, 300 millions d'habitants. Ils ont une diaspora énorme. Je répète, ils ont une diaspora énorme qui envoie l'argent au pays, au Nigeria. Comme les Ghanéens, hein, ils ont une diaspora aussi très forte. Mais on te dit que c'est la production des richesses. C'est la valeur totale de la production des richesses quantifiée. Non, 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 va donner ça à maman. Quantifiée, qui est effectuée par les agents économiques résidant à l'intérieur du territoire. Maintenant, le Nigeria a 2220 dollars. Le Ghana est à 2200. La Côte d'Ivoire est en tête avec 2250 dollars par tête, c'est-à-dire par habitant. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, non, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, son économie repose en grande partie par cause de la richesse intérieure produite. Parce que notre économie, là, elle est basée sur un seul secteur, le secteur primaire, avec les cultures pérennes, café, cacao, palmier, huile, on n'a pas d'industrie. D'accord? Et ce secteur primaire, là, les matières premières sont décidées par des capitales européennes, qui est Londres. Je répète, qui est Londres. Est-ce que tu comprends? Qui est Londres. Et on parle des richesses de ressources intérieures, c'est-à-dire dans le pays. Ça ne détermine en rien la richesse et la puissance de ton pays. Ça ne veut absolument rien dire. Le Nigeria
à ce qu'on appelle même une industrie secondaire qui commence à être mise en place avec les différentes industries locales mises en place par Aliko Dangote. Toi, tu as une industrie de tomates. Tu as une industrie de tomates. Toi, fabrication de tomates en Côte d'Ivoire. Est-ce que même tu as conservation de tomates en Côte d'Ivoire? Je te pose la question. Tu as conservation de tomates en Côte d'Ivoire? Les chiffres ne veulent rien dire. C'est comme si tu dis que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui... Les chiffres ne veulent rien dire. C'est comme si tu dis aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire a tel... la Côte d'Ivoire, au niveau de ce que la Côte d'Ivoire peut avoir en termes de richesse, la Côte d'Ivoire a ça. Mais ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut absolument rien dire. D'où viennent les fonds? D'où viennent les fonds? Des bailleurs de fonds. Est-ce que tu regardes ce que les bailleurs de fonds donnent et ce que la Côte d'Ivoire donne derrière? C'est ça l'appel quelque chose de logique. Donc, 2200, quand Alassane Ouattara s'assoit pour dire $2,250 par habitant, est-ce que les habitants ressentent les $2,250? Tu m'enlèves tes jouets par terre, s'il te plaît. Voilà. Il y a un monsieur malade de mauvaise foi qui... Bon. Ce que je lis, je comprends. Hein. Et puis ceux qui sont là, ils comprennent. Hein. Même mes enfants, ils comprennent. Hein. Monsieur Bamori Koulibaly, il ne comprend pas. Bon. Ça s'appelle la mauvaise foi. Donc, monsieur Bamori Koulibaly, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir devant des gens et dire que la Côte d'Ivoire est plus riche que le Nigeria. Ça n'engage que vous. Mais vous serez simplement grotesque. Ça n'engage que vous. Hein. Vous pouvez le dire. La Côte d'Ivoire est plus riche que le Nigeria. Il faut... Bon, voilà. Donc, comment dire, le PIB par habitant ne détermine pas. Le PIB par habitant ne détermine pas, d'accord? La richesse, c'est un indicateur en ce qui concerne la richesse intérieure produite. Mais on a quelle richesse intérieure produite, Ben? J'ai dit, on repose que sur le secteur primaire, ce qu'on appelle les cultures pérennes. Café, cacao, palmier, huile, anacarde. Vous allez me dire quoi? Ah, est-ce que ça, j'ai besoin de dire que je suis économiste? Ça, on nous apprend même depuis déjà depuis le CM1. Donc, arrêtez de... Voilà, moi, je suis factuel. Hein. C'est comme quand d'autres disent 15 000 milliards. La dette de la Côte d'Ivoire n'arrête pas de se creuser à 15 000 milliards. Bon, là, on a laissé le rolling. Hein. On va parler de 15 000 milliards. Il y a d'autres qui disent, mais les États-Unis s'endettent. Les États-Unis s'endettent. Que les États-Unis s'endettent. Et je rigole toujours. Mais les États-Unis s'endettent. Mais vous n'êtes pas les États-Unis. Vous êtes fous. Les États-Unis s'endettent. Mais les États-Unis, là, ils maîtrisent, ils ont une flexibilité de leur économie. Ils ont une flexibilité de leur économie. Déjà, ils ont ce qu'on appelle injecter de la liquidité. Vous injectez de la liquidité comment? Vous allez d'abord voir la BCAO. La BCAO va voir le Trésor français va voir Chamalier. C'est-à-dire que vous-même, vos liquidités, vos coupures, vous ne pouvez pas en fait quantifier vos coupures en termes de prévision. En plus, on négocie votre économie au club de Paris. Dites merci même à M. Mohamed Diawara qui a créé le club de Dakar. Mais le club de Dakar même, voilà, où il faut bannir même la limiter. Donc, il y a des choses, vous dites, mais vous ne comprenez pas. Ça là, on n'a pas besoin d'être magicien pour comprendre. Tu ne maîtrises pas ton économie et tu veux parler avec les gens. Les États-Unis, là, c'est-à-dire que quand aujourd'hui, ils veulent essayer d'augmenter le pouvoir d'achat, d'accord, ils essaient d'être attractifs entre l'offre et la demande. Et ils produisent une quantité de monnaie qu'on injecte sur le marché pour que l'économie tourne. C'est ça. Toi, tu fais ça en Côte d'Ivoire, toi? Toi, tu fais ça en Côte d'Ivoire? Tu peux faire ça en Côte d'Ivoire? Tu es obligé d'écrire à Bercy, c'est Bercy. Bercy, ministère de l'économie et des finances français. Arrêtons de mentir, on se connaît, les amis. Il ne faut pas... Donc, quand vous me dites que je ne maîtrise pas l'économie ou quoi, ce n'est pas une affaire de trucs. C'est réalité. Ce n'est pas parce que je déteste mon pays. Moi, mais je dis ça, j'ai honte. Je viens de la Côte d'Ivoire. Mais il faut dire la vérité. Tu ne maîtrises pas ton économie, tu es parlé avec les gens. Oui, 15 000 milliards, les Américains. Quand tu peux te comparer aux Américains, les Américains s'endettent parce qu'eux, ils maîtrisent, ils ont la Fed. Toi, tu as quoi? Tu as la BCAO. La BCAO dépend de qui? La BCAO dépend de qui? Elle dépend de Bercy. Tout le monde le sait très bien. Voilà. Donc, ça, là, même, on n'a même pas besoin de trucs. Je ne sais pas pourquoi vous êtes de mauvaise foi. Et puis si vous faites ça, c'est dangereux pour les enfants. Parce que si vous enseignez ça aux enfants à l'école, ils ne savent pas ce que ça va donner plus tard. Hein? Si vous enseignez ça aux enfants, là, ils ne savent pas ce que ça va donner aux enfants plus tard. Parce que vous préférez mentir sur des arguments partisans au lieu d'enseigner la masse. Vous préférez mentir
Si des enseignements partisans, ben ça c'est du parti. C'est être partisan. Vous supportez peut-être une philosophie du RDR, mais vous ne dites pas la vérité. Mon cher ami, toi qui as parlé de PIB là, j'espère que je t'ai bien répondu. Le PIB, c'est un indicateur. Et cet indicateur même est donné par qui? Ecofin. Ecofin, pensez, ils prennent même leurs indications de qui? De la Banque mondiale. Donc vous-même là, vous n'avez même pas d'éléments même d'indicateur. C'est-à-dire, vous n'avez même pas même d'éléments de statistiques véritables même sur le terrain. Même quand Ouattara disait dans son interview, il dit selon la Banque mondiale. Mais il n'a pas d'éléments. On est noir, on n'a pas d'éléments factuels qui peuvent vraiment mesurer. Donc, ton nom qui dit, oui, j'ai parlé d'économie. J'ai étudié de l'économie, je ne suis pas un économiste, mais j'ai étudié de l'économie au moins pendant au moins 4 ans. Donc, je comprends. C'est pour ça que je vous ai dit que la dernière fois, quand Ouattara même parle d'économie, j'ai des doutes. Mais quand Patrick Talon parle d'économie, je comprends mieux Patrick Talon que Ouattara. Quand Patrick Talon là, parle, je comprends mieux Patrick Talon quand il parle d'économie qu'Alassane Dramane Ouattara. Je ne suis pas économiste, hein. Je ne suis pas économiste, mais j'ai étudié l'économie au moins pendant 4 ans. Donc quand on me parle de certaines choses en économie, je comprends très bien. Ce n'est pas quelque chose qui débarque de Mars. Voilà. Donc on ne vient pas insulter la maman de quelqu'un, on vient pas de truc, mais c'est des éléments factuels qu'on prend. C'est des éléments factuels qu'on prend, des éléments structurels qu'on a à notre disposition. On prend et puis, en fonction de ça, on informe les gens. Voilà. Mais moi, à titre personnel, je le dis, quand Alassane Dramane Ouattara parle d'économie, je ne comprends pas. Ça, je le dis. C'est pas que je le déteste. Hein. Je ne comprends pas. Mamadou Coulibaly parle d'économie, je comprends très bien. D'accord? Mamadou Coulibaly parle d'économie, très bien. Je le comprends. Mais il y a certaines personnes qui parlent de... Je ne comprends pas. Franchement, c'est pas que je suis... Je comprends pas. Mais je te vous promets que Patrick Talon parle d'économie, je dis, waouh. En fait, c'est clair, quoi. C'est fluide. C'est comme si quelqu'un me dit, ok, prends l'argent là, dépose ça là, tant tu veux investir là, sur 3 ans. Je comprends parfaitement. Quelqu'un parle de taxes douanières, je comprends parfaitement. Voilà. Donc voilà, c'est pas. C'est pas. C'est pas. Voilà. Donc voilà, chers amis. Je vais terminer. Rendons hommage à Rawlings. Il y a Mamadou Touré qui voulait faire une école de sciences politiques. De sciences politiques à Korogo. Il a dit que c'était son projet pour rendre hommage à Madougon Koulibaly. Je ne sais pas quelle science politique Madougon Koulibaly a fait, mais il dit... C'est pour ça qu'on se compare au Nigeria. Sinon, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas comparer mouton-éléphant. Je ne parle pas de mouton de façon péjorative, je parle de la taille, du volume de l'animal. Mais tu ne peux pas, mon frère. Mais il dit, il va faire une école. Bon, qu'il prenne Rawlings. Rawlings a beaucoup de choses à apprendre. Point militaire, il y a des choses que économiquement il a fait pour son pays. Il a redressé. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Jeune Afrique en 97 qui est parti l'interviewer. Vous irez sur internet, vous trouverez cette interview. Jeune Afrique, voilà, est parti l'interviewer à Ousou Kassol. Et voilà, c'est un militaire, mais il a surélevé en fait, son économie. Donc c'était la petite vidéo. En tout cas, je voulais rendre hommage à Jerry Rawlings, que les ancêtres agressent son cas. Et moi, je suis de tout cœur avec lui. Et je continuerai aussi à ma façon de pouvoir parler de Rawlings, de tout ce qu'il a fait. Et à mes enfants, à mes frères, ceux qui sont réceptifs. Et puis, c'est bien. Moi, je trouve que sur ces vidéos aussi, aujourd'hui, on commence à parler de culture, on commence à parler d'économie, parce qu'on est trop sur la politique. Et ce qui est dommage, c'est que beaucoup de personnes parlent de politique sans comprendre même les rudiments de la politique. Moi, c'est ce que j'ai dit en Côte d'Ivoire, tout le monde et n'importe qui, n'importe quoi parle de politique. Et c'est dommage. Même sur les réseaux sociaux, hein, tout le monde parle de politique, mais on n'a pas à la base. On ne nous enseigne pas. Et c'est ce qui est dommage. Mais si aujourd'hui d'autres personnes veulent parler d'économie, moi je suis partant. Je ne suis pas un docteur en économie, mais je peux comprendre. Et puis il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose d'intéressant. Il a dit, l'économie ne s'apprend pas de toutes les façons. Oui, l'économie, il y a des outils, des indicateurs qui sont obligés qu'on nous donne, que le système européen nous a inculqué. D'accord? Tu ne peux pas parler d'économie aujourd'hui sans connaître Adam Smith. Tu ne peux pas parler d'économie aujourd'hui sans connaître Keynes. C'est des rudiments, ce sont des références qui sont données. D'accord? Ce n'est pas des exemples pour nous. Sinon, moi, j'ai des exemples sur le continent. Hier, j'étais dans une émission, je parlais de Chudang Pwemi. C'est des gens aujourd'hui qui m'ont appris beaucoup de choses. Ces doyens-là, il y en a, les Nicolas Agbou et autres. Il y a plein de gens.
de Dombé Sila, il y a un de là, Sila, 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 Dombé, quelque chose là qui est au Sénégal également, d'accord? Mais je vais dire quoi aux gens? Que l'économie, c'est intéressant, il faut qu'on apprenne. Il faut diversifier les sujets. Après cette guerre qu'on a au pays, j'aurai le temps avec grand plaisir de pouvoir parler de beaucoup de choses. Mais vous voyez, nous, notre carence, on est assis là, il y a un monsieur qui est assis là, et pour lui, il jure que la Côte d'Ivoire est plus riche que le Nigeria. C'est dangereux. Hein? C'est dangereux. On est là, on rigole, mais c'est très dangereux. Lui, dans sa tête, parce que la Côte d'Ivoire, c'est 2 250 $ par habitant. D'accord? Et qu'au Nigeria, c'est 2 220 $. Pour lui, la Côte d'Ivoire est plus puissante que le Nigeria. Hey, c'est grave. Et il est persuadé. Hein? Il était assis. Lui, il est persuadé. Dans sa tête. Donc, c'est pour vous dire que il faut faire très attention. Le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas notre espace. On pense maîtriser notre espace. On regarde notre nombril et on dit qu'on est les maîtres du monde. Il faut faire très attention. Voyager, sortir, s'instruire, c'est quelque chose de très important. Et ce qu'il a dit là, Big Togo a tenu ça dans une émission. Ce qu'il a dit là, Adama Big Togo a dit dans une émission. Et les journalistes étaient assis, ils n'ont rien dit, ils ont fait ça. Big Togo a dit la première économie d'Afrique de l'Ouest. C'est grave. C'est grave. Donc lui, il est convaincu. Il a entendu Big Togo, il a vu 2250 là. Non, lui, pour lui, c'est vraiment ça. C'est dangereux. C'est dangereux. Donc on est dans un triomphalisme. Mais on ne sait pas ce qui se passe autour de nous dans le monde. Vous comprenez? Ça veut dire de bien former nos enfants. Dans les livres, de bien former, de bien instruire les enfants. Afin qu'au demain, là, on soit aussi fiers et qu'on puisse aussi contribuer au développement de notre pays. Le développement, là, ce n'est pas dans le meeting. Hein. Le développement, ce n'est pas pour dire je suis le premier. Moi, je suis le premier. Le développement, c'est dans tous les secteurs. Il y a un frère qui est venu parler de taux de parité fixe. Il dit il veut entreprendre. Toi, tu es entrepreneur, tu ne sais même pas que dans toute entreprise qui existe, il y a un département qui s'appelle Ressources Management and Risk. Resources Management and Risk. Ça, c'est dans toutes les entreprises. Même si toi-même, tu as créé ton entreprise privée, il faut toujours mettre un côté risque pour anticiper les risques. Lui, lui il dit... Bon, viens ici, ils vont te voir, tu as fait la la la. Viens, viens, ils vont venir. Non, viens, viens chanter. Comme il a fini là, viens. Tu vas venir chanter à côté d'eux. Ils vont se moquer de toi. Viens, viens, viens chanter la la la. Aïe, tu chantes plus. Faut chanter, ils vont t'entendre. Ils t'écoutent, hein. Faut chanter maintenant. Comme je parle, tu chantes. Chante. La la la, chante. C'est déjà fini maintenant, tu n'écris plus. Bon, va t'asseoir comme tu as fini de chanter. Donc, voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je pense que on va faire des vidéos comme ça après que la guerre finisse. On va faire des vidéos comme ça, c'est important. Parce qu'avant, je faisais des vidéos sur la culture, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, il y a 2-3 ans. Les gens ne comprenaient pas, ils n'écoutaient pas. Quand je parlais là, ils n'écoutaient pas. Et aujourd'hui, on est en plein là-dedans. Imaginez qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, un pays dont la constitution a été violée, un pays qui se trouve même dans des troubles, quel que soit le camp dans lequel vous êtes, vous pouvez être même RHDP. Regardez sur les réseaux sociaux. Il y a un débat sur une femme qui dit qu'elle... Cette femme-là dit qu'elle est un homme. Elle est un homme. Elle a eu des rapports avec... Bon... Il y a des pasteurs qui crient tous les jours, qui font de la politique. Est-ce qu'on peut développer un pays comme ça? Non, on a beaucoup à faire. Malheureusement, actuellement, je fais des vidéos sur la politique, mais bientôt, j'aimerais échanger avec les architectes. J'aimerais échanger avec des hommes de culture. Parce qu'un pays, c'est tous ces secteurs-là qui se développent. Jerry Rawlings nous a montré le chemin. Qu'on lui rende hommage, chacun de vous rendez hommage à Jerry Rawlings. Et il y a ma grande soeur même qui est là. Je ne vais pas vous la présenter. Mais je lui fais un gros bisou où elle se trouve.
Parce qu'elle, quand elle regarde son petit frère, dit, elle se dit, mon petit frère là. Bon, elle connaît son petit frère. Donc voilà. Un gros bisous à toi, aux enfants, et à ton mari. Mais tu as pris la vidéo en retard, grande sœur. Donc, tu pourras regarder ça après tranquillement. Voilà. Donc, voilà, prenez soin de vous. Et puis, bon, vous voyez, au lieu de m'énerver, on a fait un petit peu d'économie en rendant hommage à Jerry Rawlings. C'est comme ça qu'il faut répondre aux gens. Voilà. Donc, prenez soin de vous et que les ancêtres vous gardent et puis que Nyamienkli vous garde. Donc, je suis Nsan Atumlan. On appelle tranquillement le troisième tam-tam parleur et descendant d'Abla Poukou, fier de mes racines et de mes racines aussi de l'Ouest. Et puis, on mène le chemin. J'ai pas voulu faire trop de politique sur la Côte d'Ivoire, mais je reviendrai demain en pleine forme. On va parler en fait de la Côte d'Ivoire. Il y a des choses à dire, mais il faut que les choses aussi changent. Voilà, c'était mon hommage en tout cas à Jerry Rawlings. Et puis, voilà, merci.